commencerai par dire merci. Merci aux deux conseillers qui ont porté leur choix sur ma personne. Je voudrais aussi préciser que sous ce mandat, qui sera un mandat vraiment collégial, nous allons essayer ensemble, on a évoqué très rapidement la vision que nous aurions de la Cour des comptes, et nous pensons que nous allons essayer de faire de grandes choses, de modifier, de mettre en place, de réactiver un peu la Cour, de lui donner beaucoup plus de consistance et de présence. Nous allons commencer par prendre contact avec tous ceux qui constituent nos interlocuteurs immédiats, c'est-à-dire les ISC, les ministères des Finances, tout ce qui est, se rapporte au contrôle. Et nous allons beaucoup travailler avec toutes ces instances-là pour avoir ensemble une vue de ce que nous voulons faire et de ce que sera le contrôle dans l'espace communautaire au cours des 6 prochaines années. Une première rencontre de laquelle en tout cas nous sommes sortis avec de très bonnes impressions, une très forte impression par rapport à la collaboration que nous allons ensemble poursuivre pour le bien de l'Union, pour le bien de notre communauté de façon plus générale. Et je tiens véritablement à le renouveler toutes mes félicitations et à le remercier aussi pour la disponibilité qu'ils ont marquée pour que nous puissions travailler de façon plus renforcée dans le cadre de nos activités communes. Et comme vous le savez, la Cour est un organe important de notre Union dans le domaine qui est le sien, et donc qui porte bien sûr sur la reddition des comptes, qui est un exercice fondamental pour la marche de notre Union. La gouvernance est un élément clé de toutes les activités que nous menons à la commission de l'UMOA. Et dans ce sens-là, vous comprendrez aisément l'importance de la Cour et la nécessité pour elle, en tout cas, et nous-mêmes, de travailler en parfaite synergie pour que les objectifs qui nous sont fixés dans ce domaine-là par nos organes dirigeants, à savoir la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, que tout cela puisse être mené à sa bonne fin. La Cour est un organe important de notre Union dans le domaine qui est le sien, et donc qui porte bien sûr sur la reddition des comptes, qui est un exercice fondamental pour la marche de notre Union. La gouvernance est un élément clé de toutes les activités que nous menons à la commission de l'UMOA. Et dans ce sens-là, vous comprendrez aisément l'importance de la Cour et la nécessité pour elle, en tout cas, et nous-mêmes, de travailler en parfaite synergie pour que les objectifs qui nous sont fixés dans ce domaine-là par nos organes dirigeants, à savoir la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres, que tout cela puisse être mené à sa bonne fin. Il était normal, après que nous ayons élu notre président, que nous soyons retrouvés au niveau de la Cour des comptes, de rencontrer le président de la commission pour lui rendre compte un peu de l'état des lieux. Et donc, nous sommes très heureux d'être dans les bureaux de la commission, d'avoir été invités par le président de la commission qui nous a fait cet honneur, et nous avons eu une discussion rapide à bâton rompu. C'est le premier contact et qui sera suivi de beaucoup d'autres contacts.